If you have your Bible with you, si vous avez vos Bibles avec vous, just go with me in the book of Matthew. Allez avec moi seulement dans le livre de Matthieu. I want to give you just a thought. Je vais vous donner juste une pensée. And that's gonna bless you, and then we're gonna pray for healing. Qui va vous bénir et puis nous allons prier pour la guérison. I'm gonna speak on when omnipotence. Je veux parler quand l'omnipotence met the impotence. Rencontre l'impotence. L'impotence. When omnipotence. Quand l'omnipotent met rencontre impotence. L'impotent. We are in the book of Matthew. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Chapter 9. Chapitre 9. From verse 27. À partir du verset 27. Through verse 29. Jusqu'au verset 29. 30. Jusqu'au verset 30. Matthew chapter 9. Matthieu 9. Verse 27. Verset 27. Through 30. Jusqu'au verset 30. The Bible says. La Bible dit. And when Jesus departed thence, et quand Jésus-Christ fut pris par deux aveugles, two blind men followed him, crying and saying, Thou, Son of David, have mercy on us. Par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. And when he was come into the house, the blind man came to him, and Jesus saith unto them, Believeth ye that I am able to do this? Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, Croyez-vous que je puisse faire cela? They say unto him, Yea, Lord. Oui, Seigneur, ils lui répondirent. Then touch ye their eyes, saying, According to your faith, be ye unto you. Alors il leur toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. And their eyes were opened, and Jesus straightly warned them, charged them, saying, See that no man know it. Et leurs yeux s'ouvrirent, Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. So I'm gonna speak in a few minutes. Je vais parler pendant quelques minutes. And we're gonna pray for healing. Et nous allons prier pour la guérison. We're gonna pray for mass healing. Nous allons prier pour la guérison de masse. You together with me. Vous avec moi. And if you are in the house. Et si vous êtes dans une maison. You're struggling with cancer, any type of sickness and disease, believe today. Et que vous avez des cancers ou toutes des maladies, croyez. Believe. Juste croyez. Just believe. Juste croyez. Just believe. Juste croyez. Today. Aujourd'hui. I remember the late Benson Idahosa. Je me rappelle du feu Idahosa. Benson Idahosa. Benson Idahosa. Archbishop Benson Idahosa. L'archibishop Benson Idahosa. Used to say. Il disait souvent. If your faith. Si votre foi. Says yes. Dit oui. God can never say no. Dieu ne peut pas dire non. So today, if your faith say yes. Alors aujourd'hui, si votre foi dit oui. Something is going to happen in your life. Quelque chose va se passer dans votre vie. When omnipotence. Quand l'omnipotent. Met impotence. Rencontre l'impotent. So. In the story that we read, dans l'histoire que nous avons lue, we see Jesus Christ was going somewhere. J'ai vu que Jésus-Christ, on a vu que Jésus-Christ partait quelque part. And two blind men followed Jesus. Et deux aveugles le suivirent. They were crying to Jesus. Ils criaient vers Jésus. They say, Son of David. Ils ont dit, fils de David. Have mercy on us. Aie pitié de nous. Have mercy on us. Aie pitié de nous. Have mercy on us. Aie pitié de nous. And Jesus seemed to ignore them. Et Jésus semblait les ignorer. But the Bible says when Jesus came into the house. Mais la Bible dit quand Jésus entra dans la maison. He asked them one of the most significant questions ever. Il leur posa une question très significative. He said, "Do you believe?" Il a dit, croyez-vous? Do you believe? Croyez-vous? That I can do this. Que je peux faire ceci. Do you believe? Croyez-vous? That I can do this. Que je peux faire ceci. Because Jesus is omnipotent. Parce que Jésus est omnipotent. He is omnipotent. Il est omnipotent. It means that he is all powerful. Ça veut dire qu'il a toute la puissance. Nothing is
too difficult for him. Rien n'est plus difficile pour lui. And if even in the Bible he asked the question, is there anything too difficult for the Lord to do? Même dans la Bible, il est posé cette question, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile pour que Dieu fasse? Nothing is difficult for God to do. Rien n'est difficile à Dieu. Nothing is impossible to Rien him. Rien ne lui est impossible. He is master of impossibility. Il est le maître de l'impossible. He specializes in an impossible and difficult situation. Il est spécialiste en problèmes difficiles. The Bible says that when he was born, et la Bible dit quand il était né, he was said that he will be a subject of contradiction. Il a été dit qu'il sera sujet de contradiction. It means that Jesus can contradict the human prognostic. Ça veut dire que Jésus peut contredire les pronostics humains. The thing that seems to be impossible. Les choses qui semblent être impossibles. Where people say it's the end. Là où les gens disent que c'est la fin. Jesus can come say it's the beginning. Jésus peut venir et dire que c'est le commencement. When the people says that you will die. Quand les gens disent que tu vas mourir. He can come and say you will live. Il peut venir et dire que tu vivras. When the doctor tells you with this sickness there is no cure. Quand le docteur te dit qu'avec cette maladie il n'y a pas de remède. That you only have 6 months to live. Vous avez seulement 6 mois pour vivre. Jesus can come and say you will live another 50 years. Et Jésus peut dire tu vas encore vivre 50 ans. He is the object of contradiction. Il est l'objet de contradiction. And throughout history, et dans l'histoire, he has proven men to be wrong. Il a été prouvé que les hommes peuvent être dans le faux. That's why the Bible says let every man be a liar, only God to be true. Voilà pourquoi la Bible déclare que tous les hommes soient déclarés menteurs, que seul Jésus soit déclaré vrai. That's why in the midst of adversity, voilà pourquoi au milieu de difficultés, we need him to say something. Nous avons besoin de lui qu'il dise quelque we chose. We can never despair because the doctors say that you are finished. Nous ne pouvons pas désespérer quand les docteurs disent que tu es fini. If you take what the doctors tells you as the final word, the final element in your destiny. Quand tu prends ce que les docteurs te disent comme la parole finale pour ta destinée. You have deceived yourself. Tu te déçois toi-même. Beyond the prognostic of people. Au-delà des pronostics des hommes. Beyond the result of a doctor. Au-delà des résultats des docteurs. There is a God. Il y a un Dieu. His name is Jesus Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Who can contradict what they say. Qui peut contredire ce qu'ils disent. He is the word of God. Il est la parole de Dieu. That call into existence everything. Qui appelle à l'existence toutes choses. And the good news that I'm about to tell you now. Et la bonne nouvelle que je suis sur le point de te dire. That Jesus Christ. C'est Jésus-Christ. Died 2000 years ago on the cross. Mourut 2000 ans passés sur la croix. He overcame death. Il a vaincu la mort. Was raised from the dead on the third day. Il a été ressuscité de mort après 3 jours. And that Jesus Christ. Et c'est Jésus-Christ. Live inside of you. Vit au dedans de toi. Because he live inside of you. Parce qu'il vit au dedans de toi. You have the greatest hope that man can have ahead. Tu as le plus grand espoir que personne ne peut avoir. So today I want you to know. Alors ce soir je veux que tu saches. That your situation is not final. Ta situation n'est pas finie. Your condition is not final. Ta condition n'est pas terminée. Jesus Christ. Jésus-Christ. Is about to make you whole. Est sur le point de faire quelque chose. You may have cancer in tu your body. Tu peux avoir le cancer dans ton corps. You may have a diabetes in tu your body. Tu peux avoir la diabète. You might have coronavirus tu in your body. Tu peux avoir le coronavirus. Maybe it's not you. Maybe it's your wife. Peut-être que c'est pas toi. Peut-être que ta femme. Maybe it's your husband. Peut-être que c'est ton mari. Maybe it's your children. Peut-être que ce sont tes enfants. They have lupus. Ils ont les lupus. They have autism. Ils ont l'autisme. And the doctor say with this condition there is nothing the medical field can do. Et le médecin dit qu'il y a rien qu'ils peuvent faire. Tonight I came to tell you. Cette nuit je suis venu te dire. Jesus Christ is alive. Jésus-Christ est vivant. I am the Lord that heal you. Il est dit je suis le Seigneur qui te guérit. Not the doctor, I'm the healer. Ce n'est pas le docteur, je suis le guérisseur. And today you must believe with me. Et aujourd'hui tu dois croire avec moi. The healer is still alive. Le guérisseur vit toujours. He is the same yesterday, today, and forevermore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. If you will only believe, si seulement tu crois. Not only nothing is impossible to God, pas seulement rien n'est impossible à but Dieu. Nothing is impossible to those who believe. Mais aussi rien n'est impossible à ceux qui croient. Today, God is going to make you whole. Aujourd'hui, Dieu va faire ouvrir une porte pour toi. No, he's going to make you whole. Complete. Il va tout finir. Yeah, he's going to heal you completely. Il va t'es guéri complètement. And your healing is gonna be the testimony. Et ta guérison sera un témoignage. That is the Lord of all. Qui est le Seigneur de tout. But Jesus asked us only one question. Et Jésus leur posa seulement une question. He will ask us one question Il nous posera une question ce soir. Do you believe?
crois-tu that I can do this? Que je peux faire ceci? It's when God, c'est quand Dieu move from the general aspect of things, travaille sur les aspects généraux de choses. Move from the general aspect of things, quitte les aspects généraux de choses, to something particular, pour faire quelque chose de particulier. Because you know many of us, vous savez beaucoup d'entre nous, we believe in God in general. Nous croyons en Dieu en général. We believe that God can do everything. Nous pensons que Dieu peut faire tout. If I ask a question, si je te pose une question, what do you believe God is able to do? Qu'est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire? You will tell me, I believe God is able to do anything. Tu me diras que je crois que Dieu est capable de faire tout. You will tell me, Pastor, I believe that God is the God of impossibility. Tu me diras, pasteur, je crois que Dieu c'est le Dieu de l'impossible. You will tell me that there is nothing difficult to Him. Tu me diras qu'il n'y a rien de difficile pour lui. You will tell me God can raise the dead. Tu me diras que Dieu peut ressusciter les morts. You will tell me God can transform anybody. Tu pourras me dire que Dieu va transformer tout. We even sing in our song. Et nous chantons même dans nos chants. That is the God who makes the barren conceive and have children. C'est Dieu qui rend les stériles qui donne des enfants stériles. We even say that God can heal AIDS. Nous pouvons dire que Dieu peut guérir AIDS. Le sida. God can heal cancer. Dieu peut guérir le cancer. God can heal anything. Il peut guérir toute chose. We all have that belief. Mais nous avons seulement cette croyance. But the problem is, mais le problème est not all the things that we believe about God. Tout ce en quoi nous croyons sur Dieu. But it's us believing. Mais en tant que nous croyons. That God can do this particular thing in my life. Donc nous devons plus croire si Dieu est capable de faire cette chose particulière dans Because ma vie. Because demons also believe that God is able. Parce que les démons croient aussi que Dieu est capable. So Jesus. Alors Jésus. Was asking these people a specific question. Il posait à ces gens une question spécifique. I know that you sing for me. Je sais que tu chantes pour moi. You say that I'm great. Tu dis que je suis grand. That I'm all powerful. Je suis tout puissant. That I am almighty. J'ai toute la puissance. But here's the question I'm asking you. Mais voici la question que je te pose. That AIDS you have in your body. Le sida que tu as dans ton corps. Do you believe? Est-ce que tu crois? That I can heal it. Que je peux le guérir? Because many of us. Parce que beaucoup d'entre nous. We believe that he can do everything. Nous croyons qu'il peut tout faire. But we don't believe. Mais nous ne croyons pas. That for this particular problem of mine. Que pour ce problème particulier qui est le mien. He's able to do it. Il est capable de le faire. We don't believe it. Nous ne le croyons pas. We believe in God. Nous croyons en Dieu. That he can raise the dead. Qui peut ressusciter les morts. That God can heal headaches. Qui peut guérir les maux de tête. But when we have headaches, mais quand nous avons des maux de tête, we don't believe that he can do this. Nous ne croyons pas qu'il peut faire cela. So God doesn't want you today. Dieu ne veut pas que vous aujourd'hui to just believe in him in a theological way. De croire en lui théologiquement. But he wants you to believe. Il veut que vous croyiez that what you going through now. Que ce dans quoi vous êtes maintenant. You your own problem. Votre propre problème. That he's able to do that. Il est capable de résoudre cela. That this in your life. Ceci dans ta vie. That this in your life. Le ça dans ta vie. Is the place where he wants to prove that he is truly God. C'est l'endroit où il veut prouver qu'il est réellement Dieu. But sadly. Mais soudainement, many people, beaucoup de gens, we believe in him, we sing for him. Nous chantons, nous croyons en lui. But we don't believe that this thing in my life. Nous ne croyons pas que ceci dans ma vie. God is not able to do it. Dieu n'est pas capable de le faire. And that's where our faith limits itself. C'est là où notre foi se limite in elle-même. The particular of our life. Dans les particuliers de notre vie. In those things that are bothering us. Dans ces choses qui nous dérangent. In that sickness that is in my body. Dans cette maladie qui est dans mon corps. How can I sing? Comment je peux chanter? God, you are able. Dieu, tu es capable. You are more than able. Tu es plus que capable. You can heal the sick. Tu peux guérir le malade. You are Jehovah Rapha. Tu es Jehovah Rapha. But then in my sickness, mais dans ma maladie, I don't believe that you can do this. Je ne crois pas que tu peux faire ceci. Now listen. Alors écoute. When you don't, quand tu ne peux, believe, quand tu ne crois pas, that God can do that particular thing, que Dieu peut faire cette chose particulière. Number one. Premièrement. You make God a liar. Tu fais de Dieu menteur. Lack of believing, le manque de croyance, that God can do this, que Dieu peut faire ceci, makes God a liar, fait que Dieu soit menteur. So you, by your unbelief, par ton incroyance, you are telling God, tu dis à Dieu, that you lie,
que tu es menteur. Because you, God says, parce que Dieu dit, nothing is too difficult for him. Rien n'est difficile à moi. Nothing is impossible. Rien n'est impossible. And then, et après, your case, ton cas, you say God cannot do it. Tu dis que Dieu ne peut pas le faire. You doubting him. Tu doutes. And when God becomes a liar, quand Dieu devient un menteur, all the virtue of God's nature, toutes les vertus de la nature divine, automatically becomes false. Deviennent fausses. Because if God is a liar, parce que si Dieu est un menteur, he is not faithful. Il n'est pas fidèle. He is not righteous. Il n'est pas juste. He is not good. Il n'est pas bon. All he claims to be is false. Tout ce qu'il déclare être est faux. That's why unbelief. Voilà pourquoi l'incroyance. Stop God from doing anything in our life. Arrête Dieu d'agir dans notre vie. The moment you just doubt God. Au moment où tu doutes de Dieu. One moment of your life. Un seul moment de ta vie. That he can never do this. Il ne peut pas faire ceci. He is a liar. C'est un menteur. He's not righteous. Il n'est pas juste. He's not able. Il n'est pas capable. He's not faithful. Il n'est pas fidèle. He's not God. Il n'est pas Dieu. Unbelief. L'incroyance. Makes God to cease to be God for you. Fait que Dieu ne soit pas Dieu pour toi. So if you don't believe, donc si tu ne crois pas, that there is not nothing that God can do, qu'il n'y a rien que Dieu ne peut faire, that thing becomes God. Cette chose devient Dieu. Because what God can never do, ce que Dieu ne peut pas faire, the thing means that he's stronger than God. Ça veut dire que cette chose est plus forte que Dieu. If there is a sickness, s'il y a une maladie, God can never heal, que Dieu ne peut pas guérir, because he's too powerful for you, parce que c'est tout puissant pour toi, he's too big for you, parce que c'est très grand pour toi, it means that sickness is God for you. Ça veut dire que cette maladie devient Dieu pour toi. So unbelief, donc l'incroyance, makes your situation, fait de ta situation, becomes your God. Ton Dieu. That's what unbelief does for us. C'est ce que l'incroyance fait pour nous. When you doubt, quand tu doutes, that God cannot do this for you, que Dieu ne peut pas faire ceci pour toi, he cannot take that cancer for you, out of you, il ne peut pas enlever ce cancer. You challenge every attribute of the divine character. Tu challenges tous les attributs de Dieu. It means that everything that God claims to be, donc ça veut dire que tout ce que Dieu déclare être, is not. Il ne l'est pas. So the question that Jesus is asking you, donc la question que Jésus te pose, do you believe, crois-tu, that I can do this, que je peux faire ceci, do you believe that I can reach out to your brother, tu crois que je peux toucher ton frère, to your sister, ta sœur, who is sick now, qui est malade maintenant, in the hospital bed, dans le lit de l'hôpital, do you believe that if you pray to me, tu crois que si tu pries vers moi, I will heal her, je veux la guérir, do you believe that I can heal that heart problem that your mom has, est-ce que tu crois que je peux guérir ce problème de cœur que ta mère a, do you believe that I can deal with that diabetes in your body, tu sais que je peux faire face à cette diabète dans ton corps, do you believe that if you can pray I can heal you and touch 1,000 people tonight who have coronavirus, si tu crois que si tu pries je peux te coûter et toucher plusieurs personnes qui ont le coronavirus, so, cette nuit, do you believe this. Est-ce que tu crois en ceci? It's faith in actuality. C'est la foi dans l'actualité. Faith in actuality. La foi dans l'actualité. And today the actuality is coronavirus. Et aujourd'hui l'actualité c'est coronavirus. Do you believe? Est-ce que tu crois? That God can heal that coronavirus. Que Dieu in peut your guérir body. Ce coronavirus dans ton corps. Let me tell you before we pray. Laisse-moi te dire avant que nous ne prions. God loves you. Dieu t'aime. God knows you. Il te connaît. And his will for you. Et sa volonté pour toi. Is perfect health. Et c'est la vie, la santé parfaite. That sickness is not from him in your body. Cette maladie ne vient pas de lui. It's from the very pit of hell. Ça vient de l'enfer. Today God wants to break you free. Dieu veut te libérer aujourd'hui from that sickness. De cette maladie. So we're gonna pray in a few minutes. Alors nous allons prier dans quelques minutes. I just want you to believe. Je veux juste que vous croyiez. And tell Jesus. Et dire à Jésus. I believe. Je crois. That you can do this for que me. Tu peux faire ceci pour you moi. You can touch me. Que tu peux me toucher. Today is the day. Aujourd'hui c'est le jour. That the Lord has made. Que le Seigneur a fait. Today is the day of healing. C'est le jour de la guérison. Today is the day of your deliverance. C'est le jour de ta délivrance. Do not doubt. Ne doute pas. As we will pray. Pendant que tu vas prier. The anointing of God. L'onction de Dieu. Is gonna hit you where you are at your house. Va te toucher là où tu es dans ta maison. Chains will be broken. Les chaînes seront brisées. Your body will be touched by the Holy Spirit. Ton corps sera touché par le Saint-Esprit. And you will be healed today. Et tu seras guéri aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de